Bonjour Florian. Bonjour Alexis. Merci à toi de donner un peu de ton temps pour cette conversation enregistrée. Avec plaisir. Eh bien, Avec écoute, plaisir. plaisir partagé. Ce que je te propose, c'est de commencer peut-être par nous dire un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et puis dans quel univers tu gravites aujourd'hui. Oui. Ben, pas de souci. Donc, ben, je suis donc Florian Vernoux, j'ai 47 ans, je suis responsable innovation dans une entreprise qui fabrique des télécommandes pour la télévision. Et donc j'habite à Nantes, l'entreprise est nantaise également. Et je suis brestois, ce qui ne présente pas d'intérêt, mais dans la conversation, mais je le dis quand même. Voilà. C'est Bretagne Forever, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Je fais un grand pas, je suis monté. À Nantes, tu vois, l'aventure, 300 km. Ça marche. Et du coup, comment t'en es arrivé à être responsable innovation? C'est quoi ton Alors, parcours? c'est une construction qui n'est pas linéaire, c'est-à-dire que j'ai commencé d'abord ma carrière comme technicien en bureau d'études sur des problématiques de R&D, et à l'époque, j'ai vraiment adoré ça. J'ai adoré comment dire, la recherche de solutions techniques, le côté aussi un peu aventure, voilà, se lancer dans l'inconnu, ça me plaisait, moi ça me convenait, ça convenait à mon caractère. J'ai fait ça pendant 10 ans. À la suite de ça, j'ai repris des études d'ingénieur. Et là, j'ai travaillé davantage dans l'industrie sur des problématiques de production. C'était un peu moins créatif, plus production grattée 2-3% par-ci par-là. Pas beaucoup de créativité collective, mais un petit peu quand même à travers les méthodes japonaises d'amélioration continue. Où, là, j'ai commencé à prendre goût un peu pour ça aussi, pour la créativité collective, les chantiers d'amélioration, les chantiers d'idées, quoi. Et D'accord. puis, derrière ça, donc, j'ai poursuivi ma carrière comme ingénieur financement innovation. Donc là, c'était notre facette. L'autre côté, ouais. Ouais, et où là, il n'y avait plus du tout de créativité, mais on observait plutôt celle des autres. Et c'était aussi très intéressant, très nourrissant. Et j'ai voulu à un moment revenir m'attacher à un produit, en fait, à une équipe, à une aventure, parce que consultant, c'est travailler tout seul. Et pour beaucoup, enfin, il y a évidemment des structures dans lesquelles on est mieux accueilli, mieux entouré que d'autres, mais là, en l'occurrence, je me sentais un petit peu seul. J'avais envie donc de revenir à un produit, et donc la télécommande a été le sujet. Parfait pour ça, parce que je tombe dans une entreprise qui bouillonne, qui a pas mal de. Comment dire, qui n'a pas forcément de structure ou de structuration dans son cheminement d'innovation, mais par contre, qui laisse place à la créativité, aux initiatives personnelles. Et donc, j'ai commencé comme programme manager, donc je sais pas si ça te parle, mais c'est Est-ce que tu peux peut-être responsable en de dire, ouais. projet, de l'ensemble des projets. D'accord. Et par choix, en échangeant, en fait, avec aussi mon responsable, en fait, mon poste a progressivement et a basculé sur responsable innovation il y a 2 ans. D'accord. Voilà. Mais donc j'avais passé une expérience dans le domaine, mais pas forcément d'outils pour la mettre en œuvre, pour la défendre, pour la stimuler aussi dans l'entreprise, parce que j'ai des missions telles que la protection intellectuelle, par exemple, mais la protection intellectuelle, ça se nourrit. Il faut, je veux dire, pour déposer des brevets, protéger des choses, il faut en créer, il faut peut-être diverger, en tout cas. Bon, j'avais pas assez d'outils à mon sens, donc c'est le moment où j'ai décidé de m'inscrire au CMS à Nantes. Donc le centre Michel Donc, Serres. voilà, Centre-Michel Serres, 2019-2020. Pour acquérir des outils, acquérir de la pratique aussi dans l'innovation, dans la prospective aussi, bien sûr, et la disruption, c'était ma filière. Et j'ai un peu découvert, pour être très franc, la prospective au cours de la formation. Alors, je m'étais intéressé au moment de m'inscrire, mais j'avais une approche plutôt innovation quand je suis arrivé. Et en fait, l'innovation, ça a besoin de sens, en fait. Il faut que ça se fasse dans une. Mon entreprise, tu veux, j'évoquais le côté brownien un peu, un peu comme ça évoque comment dire,
le comportement des atomes là, qui vont dans tous les sens. Donc il y a plein d'énergie, mais si elle est mal dirigée, si elle n'est pas concentrée dans une direction ou utilisée, elle est un peu perdue, quoi. Et j'ai vu la prospective comme étant un moyen peut-être de sans doute même de chercher du sens et de construire des stratégies, en tout cas, qui permettraient à l'entreprise de faire des progrès, et puis accessoirement, qui me nourrirait des sujets qui me nourriraient, de travailler sur des sujets qui me nourriraient. Voilà. D'accord, super. Et donc, par rapport à ça, t'as pu comment dire, mobiliser un certain nombre de disciplines, de thématiques. Tu as parlé de prospective, tu as parlé effectivement, il y a la question de l'innovation, la question de la disruption notamment, la question également peut-être la culture design. Je ne sais pas si c'était quelque chose que tu développais déjà, toi. Je travaillais dans l'entreprise, il y a un bureau de design qui est assez conséquent en fait. Pour une entreprise de 20 personnes, il y a 5 designers. Ah oui, effectivement. Donc, c'est vraiment même central dans la construction d'entreprise, le design first si on veut, parce que l'entreprise qui a été créée en 2008 et qui a toujours veillé à ce que la partie ingénierie en tout cas soit équilibrée entre ingénieur électronique et puis designer. Et à tel point que les designers ont phagocyté la mécanique. Il y a un mécanicien, mais il fait partie du bureau de design. Si tu veux. Ah oui. Le concept de bureau d'études n'existe pas. Et c'est un bureau de design d'abord. Et donc, est-ce que. Alors oui, j'étais familier avant de commencer la formation de certains aspects du design, mais je ne prenais pas forcément la mesure du rôle du design dans l'entreprise et de ses limites aussi. Parce que moi, ayant une méconnaissance du design, en fait, je voyais ça comme une approche créative un peu universelle. Enfin, les designers, en tout cas, qui sortaient, ce sont des designers produits, il faut que je précise quand même. Et donc, leur conception du design, en fait, est très appliquée produit, en fait. Et ils ont pas de sujet, mais ils n'en prennent pas non plus naturellement de sujet sur qui dépasse finalement le produit et qui aille vers la stratégie ou vers la créativité collective, quoi. Ce sont les créatifs attitrés de l'entreprise, si vous voulez. D'accord. Ah oui. Et c'était la vision que j'avais en arrivant dans la formation de ce qu'était le design, c'est-à-dire que c'était un précaré réservé à des spécialistes particulièrement créatifs. Et on voit toute la limite effectivement pour faire de l'innovation, et d'autant plus si on parle d'innovation de rupture. Ça, c'est sûr. Ah, complètement. Mais c'est une des transformations, je pense, essentielles au sortir de la formation. Enfin, dans ma compréhension de ce qu'est le design, en tout cas, c'est ça, c'est le fait que c'est surtout pas réservé à des spécialistes, la créativité, et que ça s'enrichit bien au-delà des spécialistes. Le terme de créatif dans mon entreprise est vraiment galvaudé, quoi. Avec le recul, je me rends compte que on parle de, quand on désigne les designers, on parle des créatifs. Et ça me choque, ça me heurte un peu, parce que je me dis, mais non, c'est pas vrai, tout le monde est créatif dans l'entreprise. Le tout, c'est de mettre à profit, de créer les conditions pour que les gens soient créatifs, mais pourquoi réserver ça à une typologie de personnes, surtout quand on voit que ça peut partir dans tous les sens, la créativité. Donc c'est pourquoi réserver ça à une personne, chacun, dans le potentiel de chacun, ça existe, quoi. Ce potentiel de créatif existe. Et que ce soit même pour dire une bêtise, c'est toujours ça, c'est un apport, ça peut polariser une discussion, quoi. Donc, ouais, ça fait, là, ce que tu dis, ce terme-là, ce jargon de créatif, ça fait penser agence de marketing, communication, ouais, ou de pub, quoi. C'est en général, tu as effectivement d'un côté les commerciaux focalisés qui ont des charges, et puis de l'autre, ceux qui sont là pour effectivement déborder, produire les idées qui vont permettre de répondre à ce qu'il y a des charges, voire l'outrepasser. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui, au Centre Michel Serres, on porte l'idée d'aller peut-être plus loin avec cette idée, effectivement, que tout le monde peut être créatif, tout le monde peut participer à cette intelligence collective. Et donc, a priori, c'est là où la question du sens, là où la question de la prospective est intéressante, parce qu'elle remet un cap, quelque chose, une mise en perspective au-delà de nos tâches ou fiches de poste, en quelque sorte. C'est ça, hein? Comme ça que tu perçois. Oui, je partage ton cette vision. En tout cas, c'est au sortir de la formation, c'est ce que j'ai retenu. Ouais,
cette nécessité de dépasser donc les cadres comme ça préformatés, et puis la richesse qu'il y avait à aller chercher la créativité ailleurs, et puis aussi à la regarder comme quelque chose qui dépasse le produit aussi. Je t'évoquais là, c'est là on parle en perspective de stratégie, de d'homme, d'être humain, quoi, de destin, de ça dépasse largement les petites problématiques de l'emplacement d'une vis, ton ressenti visuel ou ergonomique sur un objet. Effectivement. Écoute, Florian, moi, ce que je te propose, c'est peut-être que tu nous, simplement, la prochaine vidéo, pour nous mettre un petit peu un peu mise en appétence, tu voudras nous parler un petit peu de ton mémoire, de ce que tu as pu faire ressortir avec ce passage par le centre Michel Serres, autour de quel sujet, du coup? Alors, mon sujet, enfin le titre de mon mémoire, c'est « Pivoter sans risque ou à moindre risque ». Et je pose la question « La prospective comme garde-fou ». Voilà. Super. Eh bien, écoute, rendez-vous dans la prochaine vidéo pour en savoir plus. Merci, Florian. Oui, à très vite. Merci. Au revoir.